Live streaming is on. Oh, 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 oh. Dans quelques instants, vous allez retrouver une recette de Noël présentée par Arlène et Manu. Oh, 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 joyeux Noël! Joyeux Noël à vous tous! Bonjour à tous, joyeuses fêtes de Noël! Bonjour Papa Noël! Oh, 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 bonjour Arlène, bonjour les petits enfants et bonjour les grands enfants. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un gratin espagnol. Allez! Et oui, c'est un gratin que vous allez pouvoir servir avec vos viandes de Noël, hein, du gibier, des viandes grillées ou autres. Vous allez voir, c'est délicieux. Alors, les ingrédients pour 8 personnes. 700 g de pommes de terre rouges ou des pommes de terre fermes qui tiennent bien la cuisson. 700 g de courgettes. 700 g d'oignons. 700 g de tomates. Des herbes de Provence. Du romarin. Du basilic. De l'huile d'olive. 20 g de beurre. Et 3 gousses d'ail. Préparation. Quand vous achetez vos légumes, essayez de les prendre de sorte, quand vous allez couper des rondelles, qu'elles aient tous à peu près le même diamètre. Donc, vous épluchez vos légumes. Hein. Vous les coupez tous en rondelles à peu près de la même taille. Hein. Vous épluchez l'ail. Les tomates, n'hésitez pas à les mettre dans une passoire, elles vont s'égoutter du trop d'eau. Hein. Alors, vous prenez votre gousse d'ail, vous l'épluchez, vous l'émincez avec la presse à ail. Hein. Vous mettez dans le bol avec le beurre et là, vous mélangez bien pour faire une genre de pommade. Quand vous avez fait ça, vous prenez un bon plat à four. Hein, vous savez, les plats en terre ou les plats en fonte là qu'on met à gratiner. Là. Donc, vous prenez cette préparation et vous emburez tous les côtés et tout le fond. À ce moment-là, vous mettez un torchon sur votre plan de travail. Vous en prenez un deuxième et celui-là, vous le mettez en boule. Vous mettez en boule et vous posez votre plat dessus de manière que l'arrière soit plus haut que l'avant. C'est comme ça vous permettra de bien pouvoir mettre les tranches, les rondelles de légumes. À ce moment-là, vous les mettez bien debout. Vous commencez par le bas et vous mettez une ligne de rondelles de concombre, il n'y a pas de concombre, de courgettes, une ligne de tomates, une ligne d'oignons, une ligne de pommes de terre et ainsi de suite jusqu'à temps que vous ayez rempli le plat. Quand le plat est bien plein et qu'il est bien tassé, hop, vous remettez votre plat à plat. Donc, là, s'il y a des petits trous, vous n'hésitez pas à glisser quelques petits légumes pour combler les petits trous qu'il y a dans le plat. Hein. Faut que ce soit bien tassé, hein, pour que ça reste bien debout. À ce moment-là, vous saupoudrez avec le romarin, hein, le basilic, les herbes de Provence. Vous saupoudrez bien tout votre plat. Et vous prenez l'huile d'olive. Alors, si vous avez un spray d'huile d'olive, c'est mieux. Vous pulvérisez bien de l'huile d'olive sur tous les légumes au-dessus. Vous salez, vous poivrez. Et là, vous mettez votre four à 180 degrés hein, et pour 40 minutes. L'avantage de mettre dans un bon plat à gratin comme ça en terre, vous pouvez mettre directement votre plat sur la table. Hein. Vous piquez, hein, une fois cuite, vous regardez, hein, en général, c'est quand même les pommes de terre les plus longues à cuire. Hein. Donc, si les patates sont cuites, le reste est cuit. Hein. Donc, à servir, je vous dis, avec un gibier, une viande en sauce ou une viande rôtie, c'est super bon. Alors, Père Noël, tu vas manger mon gratin espagnol ou t'aimes pas quelque chose dedans? Oh, 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 je vais goûter. Ça devrait l'air, ça a l'air fameux. Oui, c'est fabuleux. J'adore, moi, comme légumes. Ça se passe très, très bien dedans. Alors, pour ce soir... on n'est pas arrivé à ce soir. Oh là 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 là. Pour maintenant, on va vous passer une chanson, hein, toujours dans le thème de Noël. Et ce sera la chanson « Belle nuit, douce nuit ». Papa Noël, tu envoies la chanson ? Thank you.
Ah, toutes ces petites chansons chantées par des enfants, ces fêtes de Noël, c'est magnifique. Oh, hein, Père Noël ? Oui, c'est magnifique. Eh oui, les enfants, c'est ce qu'il y a de plus beau sur cette planète. Donc, il faut les protéger. Alors, Père Noël, tu es prêt à nous dire ce qu'il ne faut pas oublier de dire et de faire ? Oui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Cliquez sur les pouces bleus, ça nous ferait bien plaisir. Et partagez avec vos amis. Oui, partagez avec vos amis. Et encore à quelques jours des fêtes. Joyeux Noël à tous. On va vous laisser pour aujourd'hui et on vous retrouvera pour une autre recette la prochaine fois. Papa Noël, tu envoies la musique ? Oh, oh, oh. C'était une recette de Noël présentée par Adeline et Manu et le Père Noël.